Jean-Marie Le Pen devra continuer à rembourser plus de 320 000 euros au Parlement européen. Ainsi en a décidé mercredi la Cour de justice de l'Union européenne. Les hauts magistrats de Luxembourg avaient été saisis par l'ex-président du Front National et par Bruno Gollnisch, un autre eurodéputé d'extrême droite, qui devra lui aussi rembourser plus de 275 000 euros. Les deux députés contestaient les retenues sur leur salaire décidées en 2016 par le Parlement européen en raison d'emplois douteux d'assistants parlementaires. Les deux eurodéputés ont affirmé qu'ils allaient déposer un pourvoi devant la Cour. Jean-Marie Le Pen s'est dit scandalisé par la décision tout en dénonçant des méthodes de gangsters selon ses mots. La présidente du FN et fille de Jean-Marie Le Pen est également visée par une procédure de recouvrement. Elle a été mise en examen en France, comme son parti, pour des soupçons d'emploi fictif d'assistants de plusieurs eurodéputés frontistes.